manqué un petit peu cette finale aux anneaux. Et voici Fabrice Gelzec, qui est un gymnaste très fin, souvent fragilisé par quelques blessures, mais ça c'est le lot du sport de haut niveau. Et Fabrice Gelzec est un des anciens de l'équipe de France, entre en équerre et croix de fer, planche tendue. Nouvelle croix de fer équerre et nouvelle planche. Il manque un petit peu de maintien, bascule équerre. La meilleure performance réalisée aux anneaux a été obtenue par Samuel Dumont avec une note de 9-20. Alors est-ce que Gelzec fera mieux? Bonne sortie. Double salto arrière, légèrement carpé avec une vrille. Une note qui devrait approcher effectivement celle de Samuel Dumont. Avec un petit manque de maintien sur les forces, les planches notamment, mais qui ne sera que faiblement pénalisé. Voilà, le ralenti et la sortie de Gelzec. Et tout de suite derrière, eh bien, celle que l'on attend beaucoup aux barres asymétriques, c'est-à-dire Isabelle Severino. Ce ralenti vous permet de voir comment on saisit les anneaux, cet élément mobile, le seul en gymnastique, mais aussi le plus difficile parfois pour maîtriser un mouvement, comme c'est le cas actuellement, cette montée en équilibre, sans que les câbles des anneaux ne bougent.